Est-ce que tu l'aimes? Et toi, m'aimes-tu? Tu m'as promis que tu allais divorcer ton épouse pour moi. Là, tu fais? Tu penses que je vais t'attendre toute ma vie, c'est ça? Stop. J'ai le droit de sortir avec qui je veux. Stop! Tu peux faire une croix dessus. Tant que je serai en vie, tu seras à moi et à moi seul. Mademoiselle Sophie, vous avez vu l'heure? Pourtant, vous travaillez à la direction. En fait, monsieur, c'est que j'ai... Vous m'imprimerez tout ceci. Bouge-toi un peu! Ah, Jean, toi aussi tu es déjà là. On dirait que tout le monde est arrivé à l'heure aujourd'hui, à part moi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu n'es pas au courant? Être au courant de quoi? Tu n'as pas reçu de mail? C'est quoi tout ce mystère? Dis-moi, on a enfin chassé Mira. Apparemment, toi aussi, tu es obsédé par cette fille. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire enfin. Donc, on avait une réunion d'urgence et c'est ça qui t'est dépassé à midi depuis le matin. Eh ben, jeune et jolie belle collègue, tu apprendras à lire tes mails. Let's get along. That's a drag. Bonjour à tous. J'espère que chacun d'entre vous a reçu le mail d'hier. Sauf moi, monsieur, je n'ai pas reçu de notification. Mademoiselle Sophie, contrôlez votre boîte mail. Et comme je suis sûr de vous avoir envoyé un message, ça vous fera moins 10 000 à la fin du mois. Monsieur, moins 10 000? Ah, c'est peu. 20 000 donc. Si j'ai tenu à ce que tout le monde soit là tôt, c'est parce que je suis fâché. Nos stats sont horriblement en baisse. Et je rends compte que vous tous qui travaillez avec moi ici à la direction, aucun d'entre vous n'est concentré. Alors j'ai fait un bilan pour chacun. Sophie. Mira. Jean, celle-ci est pour vous. C'est une lettre de démission que vous signerez et me la porterez. Ne veux, n'est-ce pas? Jean, je ne sais pas de quoi tu parles, mais lâche ma main, tu me fais mal et va en paix. Alors là, mon vieux est à vraiment achevé. Hein? Mais ne t'inquiète pas, je vais te venger. Non, Sophie, tu ne feras rien du tout. D'ailleurs, je songeais déjà à déposer ma lettre de démission. Ah! Tout ça à cause de la petite fille ici. Sophie, le cœur a ses raisons, que la raison elle-même ignore. Pour moi, cette citation ne veut rien dire. C'est normal. Venant de toi, ça ne me surprend pas.